Fais pas la bitch, une poupou, yeah. J'fais gaffe par la seille, coûte tout. Et mon bébé fait des poutous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Eh ben, oui, je fais les débriefs, les deux débriefs en même temps. Et puis alors, bon, on va commencer par Moscou, Marseille. Hein? Marseille, ils auraient pu gagner. Marseille, ils auraient pu gagner. Hein? Sauf que on s'est fait prendre le match nul, voilà. Et voilà, on s'est fait prendre le match nul. Et ça, c'est pas normal. Bon, on a un point quand même. Sauf que, on gagnait à 0 et Moscou. Moscou. Voilà, Moscou. Donc, Moscou, après 4 rouges pour Moscou. Et voilà. Voilà. Le 4 rouges pour Moscou. Et ouais, on était à Russie. C'est pas pour rien. Moscou. Tu vois? Moscou, on a fait match nul à Moscou. À la 89e, 90e, on va dire. Le match nul. Ouais, le match nul. À partout. Et ouais. Et vous savez pourquoi? Je sais pourquoi on est monté à Moscou, en Russie. Ça. Tu vois ce que c'est? Tu le vois, gros? C'était de la vodka. Voilà. La vodka, c'est où? C'est où? Eh ben ouais, c'est là aussi, à Moscou. Voilà. Voilà. Je te remercie. Et nous, chez nous en France, et Marseille, chez nous. À Marseille, c'est différent, tu vois. C'est le Ricard. Eh oui. Voilà. Sauf que là, c'était le froid. C'était le pôle Nord à Russie. C'était. Et ouais, il fait moins 40, moins de 50. Eux, ils connaissent pas le soleil. Tu vois, gros. Ils connaissent pas le soleil. Tu je te dis. Ah, attends. Laisse-moi m'expliquer. Tu le vois pourquoi, eux? Tu sais pourquoi? Comment ils se baignent? Voilà, ils sont en culotte, ils sont en strip l'hiver. Attends. Là, ils sont, hein, tu vois, ils sont torse nus. Ils sont torse nus. Ou en strip, ou je sais pas comment. Vous savez pourquoi? Ils se réchauffent. Et en plus, à Russie, il fait froid, vous voyez. Ça là. La vodka. Il enfile. Un et tous deux. Et ouais, parce que la vodka, je vous explique pourquoi. La vodka, elle est chaude. Ils connaissent pas le soleil là-bas. C'est la vodka qu'ils boivent pour aller à la piscine, au jacuzzi. Ou je sais pas, à la mer. Peu importe. Sauf que là-bas, on n'a pas de soleil. Il y a une fois dans l'année, le soleil. Et voilà, tu vois ce que je veux dire, gros. Et ouais. Oui, bref. Je voudrais rendre hommage à René Marville. René Marville était un grand monsieur de la République de Marseille. Il aimait l'OM. Tu le vois? Attends. Tu le vois? Ça là?
Le drapeau, tout ce que j'ai là, le drapeau, tu le vois? Il bandait pour l'OM, René Marville. Que Dieu te garde. Voilà, il aimait l'OM. C'était un grand monsieur, René Marville. Et oui. Et ben voilà, on a gagné ce soir 2-0 contre Rennes. Voilà. Donc voilà. Tu veux que je te dise de plus? Oui, c'est bien qu'on gagne. Mais je ne suis pas comme d'habitude. Et oui, je suis. Bouge-toi. Je suis pas timide. Je suis un peu triste. Il tenait des bars à Marseille. Il tenait des bars à Marseille. René Marville. Oh René, repose au pays. Il était malade du cancer. Je sais pas, il avait 73-74. Et René, il a connu ça. Il a connu ça, la Ligue des Champions. Il a tout connu de Marseille. Il est né à Marseille, je crois. D'ailleurs, je crois qu'il est né à Marseille. René, repose à paix. Je te connais pas, mais repose à paix. Tout ça pour le peuple. Tout ça pour le peuple marseillais. Moi. Voilà. Donc voilà, c'était la guerre entre Marseille et Moscou. Et là, ce soir, c'était Marseille-Rennes. À moi. Voilà. Donc, je pense qu'on va jouer à Angers la semaine prochaine. Donc voilà. Donc, il y avait, la semaine dernière, donc voilà, un partout, un point, mais c'est pas grave, on va se reprendre. Ah, sur ce, René, Marvin, René, que Dieu te garde, Inch'Allah. Allez, sur ce, mes bébés, je vous laisse. Rendre hommage à René. Allez, bise, tu m'as gonflé.